À la veille du grand événement mondial qui se prépare avec brio à Cotonou, les membres et sympathisants du FIAD UIDA se sont rassemblés ce vendredi 8 décembre pour partager des vibrations positives aux côtés du coach Odette Dossa, gestionnaire financière. Ce soir, j'invite tout un chacun de nous à suivre attentivement ce qui sera dit par nos orateurs. À l'unanimité, hymne national et credo sont entonnés par ces divines créatures. Monsieur Pris Rodonou, maréchal, et Catherine Aiko, choriste. Enfant du Bénin debout, je m'engage à oublier les erreurs passées. Une fois de plus, le choix est porté sur la charmante dame, coach Prisca Todetrapu, professeur de mathématiques, pour adresser les décrets de bienvenue aux nobles personnalités. Chers privilégiés de Dieu, je vous décrète la bienvenue avec amour et beaucoup de considération. Je m'incline devant la grandeur de vos rangs et titres respectifs et vous implore de prendre place confortablement et d'écouter religieusement les orateurs divinement choisis qui vont nous entretenir ce soir. La trilogie Vision, Mission et Valeurs du FIAD est brillamment mise en lumière par le maraîcher Emmanuel Dou. Pour ce qui est de notre merveilleuse association FIAD Monde, sa vision est l'édification d'un monde pacifique avec des hommes et des femmes de paix qui entretiennent toujours et en tout lieu la paix. Pour atteindre cette vision, le FIAD s'est donné pour mission de découvrir et d'inculquer à ses membres des connaissances et des solutions pratiques. Grâce à la formation continue à FIAD Monde, le membre est célébré et valorisé. Le coach Marcel Kengpe, enseignant, dans cet extrait, nous emmène à se demander que faisons-nous des outils du coaching. Prince et princesse, qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu entends? Que fais-tu de ce que tu entends? Si tu écoutes, tu entends et tu n'appliques pas, tu ne passes pas à l'action, tu vas tourner en rond. Prenons-nous vraiment au sérieux. Le coaching intégral est la voie du salut de l'humanité. Un nouveau départ s'impose à chacun de nous. Si tu entends les enseignements, prends ta part et passe à l'action. Dans la perspective de faire comprendre aux autres tout sur le logiciel des affaires, le coach Valère Boca, technicien en mécanique générale, prend les rênes du micro. Le logiciel des affaires est une application qui me permet de faire les choses comme il faut pour réussir dans les affaires. Il en existe 8 paramètres qu'il faut installer en nous pour réussir dans une affaire. Prenons le premier paramètre. Je suis un philosophe de résultats. Le premier paramètre suppose que je dois prendre le temps de penser, d'analyser, de projeter des résultats avant de passer à l'action. Le deuxième dit, je suis un créateur de passion. Il faut avoir la capacité, bien sûr, de conquérir les marchés. Quand tu n'as pas cette capacité, n'y vais pas. Ne te lance pas dans les affaires, car beaucoup parmi nous ne savons pas négocier. Un entrepreneur puissant n'abandonne jamais. Il franchit sportivement tous les obstacles pour réussir. La formation est indispensable et nécessaire. Se faire former, aimer la connaissance, car le monde des affaires est en perpétuel changement. Et il faut régulièrement se mettre à jour pour réussir dans les affaires. À l'étape d'appel à contribution, les paroles émises par le coach Pélagie Adigbé, opératrice de saisie, ne manquent pas de motiver chacun à exprimer sa générosité. Les sacerdoces royaux, étant donné que cette année finissante est déclarée année de maturité et de victoire,
Cher sacerdoce royal, je ne sais pas ce que vous attendez encore de Dieu. Alors, prenons les enveloppes. Mettez ce que votre cœur désire et vous en aurez en abondance. La contribution ouvre toutes les portes. Les heureux participants à cette clinique se reconnaissent à leur être intérieur à travers cette intense série de programmation dirigée par M. Malik Rouarou, professeur des SVT Immaculée Assomba, élève, et Mathilde Toquin, gestionnaire en finance et comptabilité. La vie même, et je suis en sécurité. Jésus, je suis en Après ce moment de riche partage, ils dégustent le cocktail. Ravie d'être de la partie, elle se confie devant notre caméra. Je suis très très contente de rester parmi les heureux. Et j'ai beaucoup apprécié la soirée et je veux continuer de venir rester avec les heureux. J'aimerais inviter beaucoup d'autres personnes à venir rester avec nous. La joie qui se dégage sur les visages de ces belles créatures après chaque clinique de la santé est signe que Dieu est toujours au rendez-vous dans les locaux du FIAD Ouida.